Je m'excuse d'avance, ça va être un peu long, vu qu'il a fait une vidéo d'une minute. C'est parti. Comme je sais, tu as refusé le contrat. Comme ça. Bon, je vous fais cette dernière vidéo histoire de clarifier les choses autour de ce combat qui n'aura sans doute pas lieu parce que Booba refuse. Il a eu pourtant la bonne idée au départ de proposer une personne tierce pour organiser le combat. Lui-même savait qu'on allait être en désaccord, comme il a dit au départ. Voilà, on va trouver une personne tierce et va organiser. Comme je sais, tu as refusé le contrat. Comme ça. Déjà, c'est faux. J'avais pensé à un tiers, c'est vrai. Mais je me suis dit, pourquoi donner l'argent à quelqu'un d'autre alors qu'on peut le prendre nous deux, moi et Rof. On a juste signé. Ensuite, il s'est rétracté, il nous a proposé le 50-50, comme si j'avais le temps de faire un travail de promoteur, de me trouver une... Hop, hop, hop. T'as tout le temps, frérot. T'as tout le temps pour trouver un promoteur. Qui est rentré, ton dernier son, il est rentré 284e. Pas de respect, y'a rien de tout ça. Ok? S'il assume pas, c'est parce qu'il est pas sûr de lui. Là, anglaise, après taille, après ceci, après cela, on dirait je vais courir après lui. Vous êtes des ouf ou quoi? Non, c'est pas comme ça la vie. D'accord? Un mec de quartier, il fait pas autant de chichi. Et lui, quand il entend parler, il veut du fair play, du respect. Quoi? Après avoir insulté les maires, tout ça. Après tout ce qu'il a fait depuis toutes ces années, j'ai tant pris. Insulter les maires. Le gars dans un morceau, il félicite. Les...